Salut à tous, c'est Yaya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour un nouveau Squad Builder. Je vais vous présenter une superbe équipe que je me suis faite en 4-1-2-2. Si vous avez été sur mon live dernièrement, vous l'avez déjà vu, mais je la présente, je vous tiens à la présenter à tout le monde. Donc une équipe de Barclays Premier League avec de très 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 bons joueurs. On va tout de suite commencer par le gardien. C'est un gardien en version héros de Sunderland, je l'ai packé. C'est donc Pantilimon, Costel Pantilimon. Vous l'avez déjà vu dans ma série avec la Roumanie, il y a le tour du monde avec la Roumanie. Costel Pantilimon, il est super bon. C'est pour moi le meilleur gardien de ce jeu. Avec Trap Inform, c'est mes deux gardiens préférés en tout cas pour moi. Meilleur que Begovic. Voilà, j'ai réussi à trouver un gardien meilleur que Begovic. Mais son point faible, c'est les pénalties parce que souvent je pars du bon côté. Mais à chaque fois, il a pas la main ferme, mais il la laisse passer alors qu'il la touche. C'est rageant, mais franchement, Pantilimon, il fait des super barils. Ok, c'est bon. Arrière droit d'habitude des Spurs de Tottenham, vous le connaissez. On va pas aller plus loin que Cole Walker. Vous le connaissez tous. Très très bon. En central, on a le défenseur central le plus cheaté du jeu. C'est bon, c'est un des meilleurs, pour moi le meilleur de Barclay. C'est Nedum Onuoha. Il est trop fort. Rien à dire, il est tellement cheaté. L'autre côté, on a un défenseur central de City, c'est donc Vincent Kompany. Alors de base je mets Smalling, parce que je préfère Smalling à Kompany, mais juste que vu que Smalling il est dans mon autre équipe avec laquelle je joue, et bah du coup je mets Kompany. Bon, mais Kompany c'est un monstre aussi, un peu plus lent surtout, mais c'est quand même un monstre, il est super bon aussi, même si je préfère que Smalling. Une forme. Arrière gauche. On va faire tous les clubs, je ne me souviens plus du tout. Voilà, c'est lui, je m'en souvenais plus. Aspilicueta, donc j'ai chopé deux fois. Une fois dans les packs à 105 000, une fois dans les packs à 100 000. D'ailleurs, dans le pack à 100 000, je tiens à vous dire que j'ai réussi à vendre 141 000 crédits. Donc finalement, les packs à 100 000 n'étaient pas si dégueu que ça. 86 de vitesse, 80 de défense, 83 de physique. Il est monstrueux. Il bouge tout le monde. Il est tellement rapide. Et il est trop fort tout simplement. Un milieu défensif de Man City, milieu défensif à milieu central. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus loin, Yaya Touré. Il est trop fort, il y a 39 matchs, 10 buts, 8 passes D. 76 de vitesse, ah bon, je vais pas, vous le connaissez tous, hein, je vais pas aller plus loin. Il est tellement abusé. Milieu droit de Chelsea. Donc d'habitude je mets Momo Salah, bon, cette fois-ci. Pour la note et pour les skills, j'ai mis Cuadrado. 29 matchs, 3 buts, 8 passes D, Cuadrado, 5 étoiles et technique, vraiment super bon Cuadrado, même si je le préfère sur le couloir gauche, c'est comme ça que j'utilise avec Chelsea en mode saison, mais sérieusement je kiffe Cuadrado. Dommage qu'il n'est pas sur le côté gauche. Oh, en émo aussi, ça serait kiffant aussi. Donc là on va passer au milieu gauche, milieu gauche de Crystal Palace. Voilà, si, voilà, 5 étoiles et technique aussi, je pourrais mettre Hazard que j'ai dans mon club, mais je préfère Bolasie. Parce que Hazard en milieu gauche c'est pas actif, mais en Emossé c'est un tueur. Quand je le fais jouer en Emossé en saison, c'est un tueur. Mais Bolasi il est tellement abusé, je pense que je vais bientôt m'acheter la version DOTS. Mais en tout cas, il avait 5 étoiles, j'étais dédicace sur un mauvais pied. Cette version, quand je l'avais eu, il avait encore que 3 étoiles. Bon, elle est passée à 5, il est tellement fort, 75 matchs joués, 22 buts, 14 passes D. Un bilan très très bon, mais c'est normal, je joue plutôt milieu gauche que buteur, il est gauche, donc il a moins la possibilité de marquer. En tout cas, moi j'adore Bolasie. Et moi aussi de Manchester United, que j'ai packé dans un pack invendable. Di Maria, 36 matchs joué, 12 buts, 25 passes D, vraiment très très fort. Je l'avais acheté quand il valait encore 170 000 crédits au début du jeu. Mais là, bon, c'est toujours la même carte, donc toujours aussi fort. En Emossé il est vraiment très bon, en buteur il est super bon aussi, mais je préfère en Emossé parce qu'il faut profiter de sa qualité de passe qui est vraiment très 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 bon. 25 passes D, c'est pas donné à tous les joueurs, et franchement vu les buteurs devant aussi vous comprendrez. Premier buteur, on va passer sur le moins fort, même s'il est obligé aussi. Buteur d'Arsenal, Théo Walcott que j'ai packé, 97 de vitesse, 88 de finition, 82 de tir, 76 de physique, 84 de dribble. Monsieur tout droit, monsieur but, 22 matchs joués, 25 buts, c'est vraiment abusé, 7 passes D, rendement LVCM, parfait. Théo Walcott. Tout simplement, il est abusé, ce joueur. Super bon. Rien à dire d'autre. Il est tellement fort, ce Walcott. Vous courez, vous marquez. Il profite. En plus, il a une putain de finition. Donc, franchement, ce Walcott, il est vraiment abusé. Et de l'autre côté, le meilleur joueur de cette équipe que j'ai packé dans un pack 15 000 crédits.
Il joue à Chelsea, 93 de notes, c'est Diego Costa, tots les amis. Il est incroyable, 22 matchs joués, 31 buts, 6 passes D. Il est cheaté à mort, 89 de vitesse pour Costa, ça a abusé, 96 de tir. J'ai mis un putain de long shoot en live d'ailleurs, en l'engagement, je pense que je vous le mettrai. 95 de physique, 89 de dribble, 75 de passe, vraiment abusé ces stats. Donc c'est simple, avec lui soit vous courez, vous faites des tirs à tout, voilà, c'est parfait. Vous bougez au physique aussi, ça marcherait bien. Oui, vous frappez aussi, ça marcherait bien. Si vous frappez n'importe où, ça peut rentrer de n'importe où, c'est vraiment abusé. Donc en tout cas, j'espère que ce squad builder vous a plu. J'ai mis quelques clips vous l'avez vu pendant ce squad builder, donc j'espère que ça vous a plu, les quelques clips que je vous ai mis. En tout cas, c'était il y a 14 pour le sein de vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. C'était il y a 14 pour le sein de vous.